2002, on se cassait la figure. Les nuits de Patrick Réton sont plutôt agitées en ce moment, avec des coefficients de marée supérieurs à 100. Tous les matins, le constat est le même sur les plages de la commune. Il y a 3 jours, le pied de la dune, le bas de la dune, était à cet endroit-là. Et on voit qu'en 3 marées, eh bien, 20 mètres sont partis. Et c'est pas terminé, puisque même quand la marée va diminuer au niveau des coefficients, ça va continuer avec le lessivage, la pluie, le vent, ça va continuer à s'écrouler puisqu'il n'y a plus aucune protection à cet endroit-là. L'Aquarde, l'Oie ou comme ici à Saint-Clément-des-Baleines, sur l'île de Ré, le cordon dunaire est souvent le dernier rempart pour contrer les submersions marines. Réensablement, enfouissement de géotextiles, rien ne résiste à la force des éléments. La seule technique vraiment efficace pour freiner l'érosion littorale, c'est l'enrochement, mais réglementairement, seul l'État est compétent en la matière. Je vais essayer d'obtenir un arrêté de péril, ce qui permettrait d'intervenir plus rapidement, parce que si on n'a pas l'arrêté de péril, on rentre dans des procédures qui durent à peu près 18 mois, sans être garantie qu'on puisse faire quelque chose. Pour financer ces travaux, contrairement à Oléron, l'île de Ré peut en partie compter sur l'écotaxe prélevée à chaque passage du pont. Mais la tâche est pharaonique avec des dizaines de kilomètres de plage exposées aux tempêtes hivernales. Depuis 2003, ici à l'Aquarde, plus d'1 million d'euros ont été dépensés pour tenter de sécuriser le cordon dunaire, notamment avec ces géotextiles. Les 3 dernières marées ont ruiné à néant 10 ans d'efforts. Et ici, sur l'île de Ré, on est très inquiet pour les jours à venir avec la conjonction de vents violents et d'une mer démontée.